Lui, c'est Louva Soupatir à coups de sphère. Il exerce un vieux métier que l'on pourrait croire disparu avec le développement de la technologie, mais qui continue d'exister et auquel de nombreux citoyens ont encore recours. Louva Soupatir à coups de sphère est un agent facteur de la Poste Malagasy. Et son métier est de s'assurer qu'une lettre envoyée d'une localité arrive bien à destination. Cela fait déjà 7 ans que notre facteur pratique cette noble profession qui fait partie des métiers les plus anciens du service public. Et il est rattaché à une zone de couverture particulière. Il est en Poste Malagasy, il est un facteur de sa main en carte San Manukan. Ary facteur tsara dia manana ny numéro ohatra hoe za manokana zany zao facteur numéro 40 miandraikitra ny carte Atsimbazaza Manakambahiny maro. En dépit du développement du numérique et le recours de plus en plus nombreux au courrier électronique et malgré le développement exponentiel des systèmes de messagerie, un agent facteur reste toujours utile à la société. Louva Soupatir à coups de sphère indique avoir toujours des courriers physiques à transmettre et leur volume dépend des quartiers. Dans les quartiers qu'il dessert, les courriers sont toujours destinés aux bureaux administratifs. Notre facteur a plus de 7 ans d'expérience dans ce besace, mais quand une lettre ou un colis est adressé à une nouvelle adresse, c'est toujours difficile. Fisiny adresse vaovao eny anivon'ny fokontany zany. Satria raha ohatra hoe tonga eo aminay zany taratasy misy ny adresse vaovao dia manano sarotra kely mitady an'iny raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'ny plan-ny eo amin'ny facteur zany ny adresse. Au niveau du centre de tri de Poste Malagasy à Larbi, environ 200 facteurs viennent tous les jours récupérer courriers, colis ou paquets à envoyer. Et pour leur permettre de remplir leurs tâches au mieux, ces facteurs ont reçu de nouveaux équipements comme des cartables, des sacs et des motos pour la distribution des courriers. Chaque année, les facteurs de la Poste distribuent des centaines de milliers de courriers, montrant qu'un courrier physique, une lettre, une carte, un paquet a toujours sa place dans la communication au sein de la société malgache. Marina fa mandeha ny numérique sy ny salamjany digitalisation izay fa hiroso amin'izany toa izay atao dia misy fomba hafa mihitsy moa izany ny amin'ireny fa ny fizarana hoe fizika zava-dehibe izany eo amin'ny mpanjifa ary misy valeur sentimental mihitsy ilay hoe voaray an'ilay entana ilay olona avy amin'ilay facteur mbola zavatra lehibe izay aminay Poste Malagasy.